Salut à toi, cher enfant de la paroisse de Savigny-Forel. Voici l'histoire que je vais te raconter. Jésus est plus fort que la mort. Un bateau arrive. Jésus est dans ce bateau. Beaucoup de gens se trouvent au bord de l'eau. Ils saluent Jésus. Un homme appelé Jaïrus s'avance. Il se met à genoux devant Jésus. Il lui dit « Ma petite fille est très malade. Je t'en prie, viens avec moi et guéris-la. » Jésus part avec lui. Jaïrus lui montre le chemin. Les disciples et les autres gens le suivent. Un homme vient à leur rencontre. Il dit à Jaïrus, « Ta fille est morte. Jésus ne peut plus rien faire pour elle. Il n'a plus besoin de venir. » Jésus dit à Jaïrus, « Ne sois pas triste. Je peux t'aider. Aie confiance en moi. » Alors, il continue à marcher. Voici la maison de Jaïrus. Les voisins se tiennent devant la porte. Ils pleurent très fort. Jésus leur demande « Pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Les voisins se moquent de Jésus, ils savent bien qu'elle est morte. Jésus renvoie les voisins. Le papa Jaïrus et la maman peuvent rester. Trois disciples restent là aussi. Alors ils entrent dans la maison et Jésus prend la fillette par la main. Il lui dit « Réveille-toi !» La fillette ouvre les yeux. Elle voit de nouveau. Elle s'assied. La fillette est debout. Elle va vers Jésus. Tout le monde est étonné. Jésus est plus fort que la mort. L'histoire est terminée. Je te souhaite une belle journée.